Un corps sain doit vivre dans un environnement sain. C'est ce qu'a compris l'Association des élèves et étudiants de Parakou à travers l'organisation de cette journée de salubrité à la place Bioguera de la ville de Parakou ce samedi 27 février 2022. L'objectif de cette campagne est de participer à l'assainissement de la cité des Koborou. Balais, roues et râteaux à la main, ils ont mis au propre cette place pour le bonheur des usagers de la ville. Nous avons d'abord nettoyé la place Bioguera et ensuite la devanture de la résidence du préfet. Nous avons balayé et après nous avons saclé la rue à des herbes et enfin nous avons brûlé. Les amis sont sortis massivement. Nous sommes fiers de leur participation. Cette campagne de salubrité a connu le soutien des responsables d'organisations estudiantines dont l'UNEP et l'autorité municipale Inoussa Zimé Chabi. Cette activité de salubrité organisée par l'Association des élèves et étudiants de Parakou constitue aujourd'hui un signal fort pour appeler tous les habitants de Parakou à balayer régulièrement leur environnement afin d'avoir un espace clair et sain pour pouvoir réaliser des projets de développement durable. Si ces jeunes, déjà sur les bancs, que ce soit au primaire, au collège, à l'université, ont eu cette belle initiative de mettre à jour, de mettre au propre une place. Et pas n'importe quelle place, la place Bioguera, où la plupart de nos élèves, de nos étudiants, de nos passants, vu le cadre, viennent s'asseoir, prendre de l'air. Et si ces élèves-là, ces étudiants ont eu l'initiative de venir rendre la place propre, il faut pouvoir accompagner. Voilà pourquoi, en tant que première autorité de la ville de Parakou, j'ai décidé de les accompagner. Très ému par cette initiative de cette jeune association dirigée par Ozefat Issifou, Inoussa Zimé Chabi a invité ses administrés à emboîter les pas à ces jeunes afin que tous puissent contribuer à l'assainissement de la ville de Parakou. Si la ville n'est pas propre, pour l'étranger qui vient, c'est que nous ne sommes pas propres dans la ville. On ne dira pas simplement que la mairie n'est pas propre ou bien on dira que Parakou n'est pas propre. Et qui vit dans Parakou est concerné. Voilà ce pourquoi je dis que nous allons toujours accompagner de pareilles initiatives. Il y en a, il y a plein d'endroits où aujourd'hui il nous faut aller nettoyer, il nous faut aller balayer. Nous encourageons de pareilles initiatives et nous invitons les populations à faire de même. Il faut préciser que la place Bioguera et la devanture de la résidence du préfet du Borgou sont les espaces choisis par cette association pour être mis au propre. Nous devons maintenir notre cadre de vie propre et c'est à ça que cette initiative vient penser de l'Association des élèves et étudiants de Parakou doit faire école.